Bonjour Colette. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Ma foi, bien, bien. Alors bon, si on est là, c'est aussi pour parler de tes livres qui traitent de la peinture. Alors c'est vrai, tu n'as pas mis un grand livre de 2 mètres carrés, mais c'est pas grave, hein, parce que à transporter, c'est pas forcément évident. Ça peut... de détente et de lecture. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler d'un ou de tous les livres éventuellement? Sur des tableaux de Rosine Chartrain en l'occurrence, des tableaux abstraits, et j'avais écrit des textes qui pouvaient être des textes poétiques, bien humoristiques, enfin variés sur ces tableaux, parce que les gens sont souvent pas à l'aise avec la peinture abstraite. Et finalement, on s'était aperçu, mais on s'y attendait pas vraiment, que les gens, pour le coup, étaient comme décomplexés. Parce qu'ils ont l'impression, au niveau de la peinture abstraite, de ne pas avoir les clés, ils sont mal à l'aise. Et là, par rapport à ce que je disais, ils s'aperçoivent que finalement, il n'y avait pas de clés à avoir, qu'il suffisait de savoir regarder, de s'attarder dans les mouvements, dans les couleurs, dans les rythmes. Et ou éventuellement imaginer des choses. Et ça avait eu un effet tout à fait positif. Alors on avait, c'était donc un catalogue, et pour le coup, il avait été traduit en allemand et en anglais. Voilà, c'était le point de départ, c'était une exposition. Ça s'était fait comme ça. Il avait été édité en français aussi. Alors il avait été, alors il y avait un ouvrage, mais qui était épuisé, il avait été tiré en 100 exemplaires, qui s'appelait Composition. Et effectivement, là, c'était entièrement en français, il y avait plus de textes. C'est un peu là ce que j'essaie de reprendre dans celui-là, mais c'est un simple spécimen. Mais l'autre avait 35 pages à peu près, donc il y avait quand même pas mal de textes sur des tableaux. Et il est épuisé, celui-là. Donc là, éventuellement, j'envisage de refaire quelque chose de similaire. Ouais, de rééditer. De rééditer, sous une forme un petit peu différente. Et donc là, c'est simplement quelques textes. Mais il y a aussi là des textes de Rosine Chartrain sur sa peinture, sur sa propre démarche. D'accord. Donc une collaboration entre toi en tant qu'écrivaine et elle en tant que peintre. Voilà. Oui. Sans parler même des livres d'artistes. Oui. Mais c'était déjà... Oui, c'était antérieur d'ailleurs. On n'avait pas fait de livre d'artiste à cette époque-là, quand j'ai écrit sur sa peinture. Et puis alors après, dans Ricochet, c'est un recueil de nouvelles, et j'ai 3 recueils de nouvelles, mais j'ai vraiment apporté celui-là, parce que dans celui-là, il y a quelques nouvelles, qui concernent des tableaux. Alors il n'y en a pas énormément, des tableaux ou des peintres, mais il y en avait. Alors évidemment, là je ne vais pas le trouver instantanément, mais c'est vraiment à partir de ça que j'ai choisi cet ouvrage-là. J'ai dû l'écrire d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, pour rebondir sur ce livre, il y a une vidéo qui est en préparation, avec une partie de texte que tu lis pour présenter. Et là, c'est un roman. Alors, un roman qui s'appelle donc L'autre côté. C'est un roman qui traite des disparitions volontaires, les gens qui partent pour refaire leur vie en changeant tout, de pays, de métier, de tout. La vraie question que je me pose dans ce roman, c'est est-ce qu'on peut vraiment devenir autre en changeant comme ça complètement, en coupant les ponts? Et l'autre côté, c'est aussi bien l'autre côté de la frontière, de la mer, que de soi-même. Donc ça, c'était l'idée de départ, c'est un thème qui me fascinait, parce que c'est un phénomène très étonnant. Il y a quand même 4000 disparitions par an, à peu près, en France. Et c'est le Japon qui bat les records en la matière. Et il se trouve que, dans ce livre, il y a des vrais disparus, des gens qui ne sont pas disparus, mais qui sont obligés de partir parce que, disons, leur réalité dérange, donc ils préfèrent partir. Et justement, il y a, dans ce cadre-là, il y a un peintre, et il y a un sculpteur, et il y a un écrivain, parmi d'autres personnages. Et le peintre, il y a des passages où on est vraiment dans l'atelier du peintre, dans l'atelier du sculpteur, et il est beaucoup question de peinture dans ce livre. Des toiles qui sont décrites, il y a toutes des enchaînements, c'est un roman fictionnel, donc il y a des événements qui se passent autour de ça. Donc là, pour le coup, il parle vraiment, et aussi de la création, de la similitude de la création, d'ailleurs, entre un écrivain, un peintre et un sculpteur. Et on s'aperçoit, moi je fréquente beaucoup de plasticiens,
Je suis donc moi écrivain, et finalement, souvent, on a les mêmes préoccupations, les mêmes difficultés dans la création, dans la présentation, dans la communication. Enfin, il y a plein de moments où c'est très proche, même si on est dans des arts complètement différents. C'est vrai, il y a plein de points communs. On peut lire le début de cette nouvelle et la fin. On va lire le début et la fin. Allez. Pour avoir l'intégralité, il faut acheter l'ouvrage. Voilà. Alors, retenez. Hein. Le tableau. Dès la première exposition, il aima le travail de ce peintre. Ayant pour cet artiste de l'amitié et de l'estime, il fut satisfait du peintre et de lui-même. Et lorsqu'on lui demanda une plaquette sur cette œuvre, il accepta volontiers et se rendit à l'atelier. Il déambulait au milieu d'une impressionnante quantité de tableaux qui s'interpellaient, s'éclairaient les uns les autres. La peinture abstraite n'est pas toujours d'un accès facile, et en rendre compte est encore plus difficile. Alors, je vais vous dire, résumé, en fait, il prend une des toiles qu'il n'aime pas. Il n'aime vraiment pas celle-là. Et alors, il se demande pourquoi il n'aime pas, alors qu'il aime l'œuvre de ce peintre. Cette œuvre révélait-elle un trait de caractère du peintre qu'il refusait? Quelques-unes témoignaient d'une grande violence, ce qui n'était pas pour lui déplaire. Sans cesse, il revenait à ce grand carré gris, blanc, au milieu. Un soir, écrivant un article sur un tout autre sujet, il releva machinalement les yeux et se vit dans le carré, avec une étrange expression dans le regard. Il se fit violence pour se détacher de ce miroir. Il se leva en chancelant, retourna la toile contre le mur et rédigea d'un trait la monographie du peintre. C'est pas la fin du livre. En tout cas, c'est la fin de cette petite interview. Je te remercie, Colette, de cette présentation. Et puis, on va dire à la prochaine fois. Ben oui, très volontiers.